Oui, de Créteil, responsable du Noblard de Créteil. On a monté ce club pour les jeunes cristoliens parce qu'il n'y avait pas de boxe anglaise ici à Créteil, afin de leur enseigner l'art de la boxe, les règles de la vie de tous les jours. Professionnellement, je suis ingénieur dans le réseau ferré et responsable politique à Créteil, ici même. Aujourd'hui, on a commencé par un petit échauffement, classique. Je prépare quelques combats bientôt, j'espère. Et donc, petite leçon avec mon entraîneur personnel, Ahmed, et Karim qui s'occupe de la partie physique en dehors de la salle, tout ce qui est fractionné et mise au point physique. Alors, je m'appelle Ahmed Béchik, je suis entraîneur, ça fait une quinzaine d'années que j'entraîne en boxe anglaise. Je m'occupais déjà, j'ai commencé comme tout le monde en tant qu'entraîneur éducatif, j'ai commencé à m'occuper des petits, dès l'âge de 6 ans, quoi. Les enfants ils avaient 6 ans. Après, j'ai commencé à passer mes examens instructeur et prévôt fédéral. Aujourd'hui, je suis prévôt fédéral. Et j'ai commencé à entraîner des amateurs et même un professionnel. Je me suis occupé d'un très grand boxeur, Walid Guerras, qui était un des bons boxeurs, un des meilleurs de France, en moins de 75. Voilà, bah, c'est une passion, c'est un sport que j'ai toujours aimé. Voilà, ça m'apporte beaucoup en plus de mon travail. 3-4 fois par semaine, je viens à la salle, je m'occupe des jeunes. On essaye aussi d'encadrer un petit peu les jeunes des quartiers. On essaie de les insérer à la société parce que bon, pour éviter qu'ils restent dans les quartiers. Mustapha Abaoui, ça fait 3-4 ans que je m'occupe de lui. Il fait énormément de progrès, il a gagné pratiquement toutes les petites compétitions. Il a gagné ceux des championnats du Val-de-Marne, les novices. Et là, cette année, on va essayer de préparer les championnats d'Île-de-France avec Mustapha Abaoui. Qui est aujourd'hui un des moteurs de la salle. C'est ce qu'il essaye de tirer les autres vers le haut. J'enchaîne les combats. 6 victoires l'année dernière, un match nul, une défaite. Et là, j'espère plus aucune défaite que des victoires. Les meilleurs moments, c'est la préparation avant de monter sur le ring. Les deux entraîneurs qui s'occupent de vous, qui vous massent, qui vous passent de la pommade, qui vous parlent, qui sont aux soins. Et tout le club qui est derrière vous dans les tribunes, cet engouement derrière une personne. Et là, c'est le face-à-face, tout seul dans le ring, comme dans la vie de tous les jours, seul contre tous. La plus grande difficulté, ça va être les difficultés politiques. Vous voyez, comme aujourd'hui, on est en manque d'effectifs, en manque de matériel, en manque de salles. Donc on se bat tous les jours pour pouvoir enseigner cet art. Les deux entraîneurs ici présents sont bénévoles. Moi-même, je suis bénévole. Et là, il n'y a aucun d'entre eux qui est payé. Et jusqu'à présent, on a eu, malgré le manque de moyens et d'aide, on a une championne de France, Myriam Kabachen, championne cadette de moins de 60 kg. Je m'appelle Myriam Kabachen, j'ai 16 ans. Je pratique la boxe depuis bientôt 5 ans. Ça fait 2 ans que je suis un amateur. J'ai été championne de France cadette 2 en 2012. Et voilà, j'ai mon entraîneur qui s'appelle Mustapha Abaoui, qui m'entraîne depuis que je suis toute petite. Projet du club, ça serait d'avoir une salle attitrée, spécialement pour la boxe, emmener les boxeurs faire des échanges avec des pays comme le Maroc, pays du Maghreb, les emmener en stage dans d'autres pays pour voir d'autres personnes, d'autres boxes, d'autres modes de vie, leur enseigner un autre style de boxe. Le but, c'est de faire des échanges, de retourner au pays, de faire des échanges avec mes citoyens marocains. Je suis d'origine marocaine et je suis très attaché à mon pays. Et faire des échanges, des stages et boxer pour mon pays. Je suis originaire d'Oujda, c'est une ville orientale, une ville auquel je suis très attaché, qui est restée très traditionnelle et avec ses valeurs, sa culture. Et j'espère vraiment y retourner et développer mon art là-bas.
À Oujda, un souvenir, mes grands-parents, cet esprit traditionnel, la famille, cette chaleur humaine, la campagne, tout ça, la plage. Donc vraiment cette tradition qu'on garde, ces liens familiaux, et j'y suis attaché, j'y retourne très très souvent. Au Maroc, il n'y a pas de fermeture des maisons, tout le monde va chez tout le monde, parce que ici les maisons sont renfermées, les gens limite se disent bonjour. Au Maroc, tout le monde se connaît, c'est un grand village, tout le monde se côtoie, c'est une grande famille, et cette grande famille qui me manque. Bah, cette double culture, ça me permet d'apporter les règles ici enseignées avec ces traditions du Maroc. C'est deux choses qui se complètent, deux choses complémentaires. Ici, Créteil, j'ai grandi, toute ma famille est, ma famille, mes amis, une grande famille ici aussi à Créteil, je connais tout le monde, on a différents commerces. J'ai côtoyé tous les quartiers, je suis un petit peu médiateur, grand frère de certains, parent pour d'autres. Et à travers mes différents postes et responsabilités politiques, je suis comme un grand frère, voire un parent pour d'autres. Très forte communauté marocaine, quelques associations qui s'organisent de leur côté. Un petit peu dissocié, contrairement à ce qu'on retrouve au Maroc. Chacun est dans son coin, ce qui est dommage. Quelques mosquées, on se retrouve dans quelques mosquées et autres, mais il n'y a pas cette solidarité comme on trouve au Maroc. C'est ce qui manque, c'est la chaleur humaine, cette solidarité. Et là, on est un petit peu divisé, on va dire. Je vous passe le salam, vous manquez énormément, j'ai une grande attache envers mon pays. J'espère construire ce qu'on a construit au Maroc, ça veut dire des liens sociaux, liens familiaux, et Inch'Allah qu'on se retrouve très vite.